Alors là, on est pratiquement à la fin de la vérité, de ce qu'on a appelé la campagne de France, puisque l'offensive allemande prend la France, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg par surprise le 10 mai 1940, par une grande offensive au nord. Et la percée de Sedan qui prend les forces françaises par surprise en traversant la forêt des Ardennes. Chose que le gouvernement et l'armée française ne croient pas, puisqu'ils pensent que c'est un stratagème. Donc le haut commandement français expédie une grosse majorité des forces vers la Belgique, et c'est la chose à ne pas faire, puisque après l'armée française est prise en tenaille, qui se termine par le réembarquement de Dunkerque des troupes du corps expéditionnaire anglais et puis de certaines parties de des troupes françaises également. Eh ben, c'est-à-dire que mon père, il a chargé la voiture puisque c'était déjà l'exode, les Ardennais n'avaient pas passé chez nous, ils étaient déjà partis. Fallait prendre l'exode et il a chargé la voiture. On avait une automobile Renault commerciale qui s'ouvrait pas comme aujourd'hui, comme ça. Et on est parti, il a dit, bon, ben, je vous mène au Bachot, au cas où il ferait sauter les ponts, qu'on ne puisse pas passer le lendemain. Donc il nous a amenés ici et il devait repartir en vélo, lâcher le bétail, et puis revenir, et on partait en exode le lendemain. Mais quand on est arrivé dans la cour chez le grand-père, là, il nous a dit, dépêchez-vous de descendre dans la cave parce qu'ils bombardent à Plancy. Et c'est là que j'ai vu les bombes tomber sur Plancy. Donc on est descendu dans la cave, on s'est mis là, on était 12 puisque on était 7 enfants, les parents ça faisait 9 et 3, le grand-père, la grand-mère et une tante qui était là. C'était terrible. Je n'ai plus beaucoup, beaucoup de souvenirs. Je me souviens des chevaux qui étaient tombés, qui avaient été fusillés, mitraillés par terre. Sinon, je ne me souviens pas. J'avais 3 ans. Mon premier frère avait 5 ans. Ma sœur, 18 mois. Elle est encore là. Enfin, elle n'est pas ici, mais elle est encore vivante. Et mon jeune frère, 1 mois et demi. Ça fait 80 ans. On ne peut pas oublier. On n'oubliera jamais. De temps en temps, des souvenirs ressurgissent, surtout ma grand-mère maternelle qui nous a élevés. Elle avait un courage énorme. Ses 4 enfants qui restaient, ses 4 petits-enfants, elle était toute seule, nous élever. Bien sûr, mon oncle Pierre, qui avait 16 ans, d'avoir 17 ans, a fait beaucoup, je le remercie, il n'est plus là, mais c'était un homme très gentil qui a fait énormément. Vous avez tous les objectifs. Là, dernièrement, j'ai retrouvé le journal de marche de l'escadrille qui a attaqué Plancy, avec le nombre d'avions, le nom des équipages, les heures d'attaque à 5 minutes près, les retours à la base et tout. Donc, dans les journaux, il n'y a pas de raison de cacher la vérité aujourd'hui. C'est des archives purement militaires, quelquefois marquées secrètes. Donc on peut pas contester. Alors qu'en Italie, d'ailleurs le gouvernement italien, il y a eu un dépôt de plainte du gouvernement français contre eux, le gouvernement italien est tombé des nues, ne sachant pas de quoi on les attaquait, parce que finalement ils se demandaient pourquoi on les attaquait pour des choses qu'ils n'avaient pas commises. À 8 ans, on n'a pas ressenti grand-chose. Les parents, certainement qu'ils avaient peur. Hein, puisque... Mais nous, c'était tellement vite fait qu'on nous a amenés tout de suite là, qu'on nous a collés contre le mur, que on n'a pas eu grand. Là où on a commencé à réagir, c'est quand la poudre elle arrivait là, on a commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose dehors, quoi. Il y avait quand même l'odeur de la poudre, il y avait de la poussière, quand on est ressorti dehors, il y avait des émigrés dans la cour, ils étaient tous apeurés parce qu'ils avaient eu peur aussi. Il y avait le cochon sa cabane, la cabane s'est ouverte, on a retrouvé le cochon dans la cour. Il y a eu quand même des choses qui se sont passées
que c'est tout, les maisons elles ont bougé. Hein. Surtout qu'on a une bombe qui est tombée pas loin, hein, à 50 mètres hein, derrière. Hein. Donc. Et donc, il cite, parce que c'est un pilote de Stuka relativement célèbre par ses exploits, entre guillemets. Donc, il a fait la campagne de France, il a fait la campagne de Russie, et il a remporté, il a survécu à la guerre. Chose rare parmi les pilotes de Stuka, parce que le Stuka est un avion performant, mais très vulnérable s'il y avait des avions de chasse dans le ciel. C'est pour ça qu'ils ont été relativement tranquilles en France. C'est que la chasse française, débordée par d'autres événements, n'a pas pu les attaquer vraiment. Mais ils ont eu des pertes quand même. Par exemple, un des équipages, je citais tout à l'heure, un des équipages qui a bombardé Charny, deux jours après, se faisait abattre à côté de Dijon et l'équipage a été tué. Donc, vous voyez, c'était une atmosphère terrible hein, dehors. Hein. Donc, et c'est là que le grand-père l'a dit, oh bah tiens, ça doit être terminé, on va remonter. Et c'est là qu'en remontant, il a dit, ben, tu parles des ballots, parce qu'on a fait la guerre de 14 et on n'a même pas pris une pelle et une pioche. Donc on est remonté, et puis après, ben, on est sorti dehors. Mon père et puis mon grand-père sont sortis dans la rue. Quand ils ont vu le carnage là-bas, ils ont même peut-être bien pas été jusqu'au bout. Mais nous, ils nous avaient dit, surtout, vous ne venez pas, vous n'avez pas à voir ça. Donc, on ne l'a pas vu. Cette pauvre grand-mère, quand j'y pense, elle aurait dû avoir une médaille. C'est pas possible. Rester comme ça, 8 enfants, toutes seules. Terrible. On a vécu dans un baraquement en bois jusqu'en 50. Et le baraquement en bois, c'est pas chaud, hein, parce que les hivers étaient plus durs que maintenant. On couchait avec une bouillotte et elle était gelée, hein, dans le lit. Hein. Puis aller d'une maison à l'autre, parce qu'on n'avait pas de maison, bien sûr. Donc on nous a prêté une maison à Pocancy. Après, nous sommes allés à Roufy. Après, nous sommes allés à la Veuve. Et ma pauvre grand-mère, qui a eu tant de peine, de travail, elle est décédée à 94 ans. Pour nous, finalement, c'est un bonheur qu'elle ait vivre jusqu'à cet âge-là. Mais enfin, bon, on a eu de la chance quand même, parce que les bombes, elles ont quand même tombé là. Il y en a tombé une là derrière, elle pouvait tomber aussi bien sur la maison qu'à côté. Hein. Ça, c'est sûr, ça. Mais ça s'est passé comme ça, quoi. C'est terrible, terrible. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut rester chez soi, faut pas partir sur la route. Ça sert à rien, l'épreuve. Paul Jacquet, notre grand-père, allongé à demi appuyé sur son coude, les deux jambes étaient broyées et sa tempe moussée. Son sang se mélangeait à celui des chevaux. Tétel, Marcel, notre tante, ta maman Denise, avait les yeux révulsés, le ventre ouvert dans les bras de Gilbert son mari. Gilbert était gravement blessé à l'épaule. Ma grand-mère avait jeté dans la haie Claude, le nourrisson d'un mois et 8 jours que tenait Tétel dans ses bras pendant le bombardement. Il en sort indemne. Ma grand-mère ne reconnaît plus notre père, Pierre. Elle était dans un délire complet. Elle le croit mort. Les blessés sont évacués vers des destinations inconnues. Ma grand-mère reste là, avec ses 4 enfants. Pierre, 16 ans. Jean et Thérèse, 14 ans. André, 9 ans. Et 4 petits-enfants de sa fille. 4 ans, 3 ans, 2 ans et 1 mois et 8 jours.